à tous. Je vous partage aujourd'hui une petite sonate en ré majeur de Domenico Scarlatti, claveciniste et compositeur italien de Naples. Le poète italien Gabriele D'Annunzio parle des sonates de Scarlatti comme étant des bulles précieuses, un peu comme des gouttes d'eau, de beauté ruisselante. Donc c'est une jolie formule. Le compositeur Paul Dukas, par contre, dit « c'est riche d'effets, mais c'est compliqué d'exécution ». Et Domenico Scarlatti lui-même, dans sa préface, il dit qu'il ne faut pas attribuer à ces sonates d'intention profonde, mais que c'est plutôt un badinage de l'art pour s'exercer à un jeu hardi sur le clavecin. Donc ces sonates, c'est à la fois des pièces qui viennent vraiment de la tradition de l'improvisation au clavier, et ces sonates de clavier, c'est ça qui va faire la grande réputation de Domenico Scarlatti, puisqu'il a aussi été musicien d'église et de théâtre. C'est à la fois des pièces qu'on peut considérer comme des exercices, mais c'est aussi tout à fait des pièces de musique qui font montre d'une écriture tout à fait idiomatique pour le clavecin, qui sont variées, contrastées, brillantes. Et dans cette musique, on entend à la fois l'Italie, le soleil, mais aussi toutes les musiques folkloriques espagnoles, puisque Domenico Scarlatti, donc, qui est d'abord à Naples, voyage très très jeune déjà avec son père, grand compositeur également, Alessandro Scarlatti, et son père l'emmène d'abord à Florence, puis à Rome, enfin à Venise, à la cité des Doges, où il introduit son fils dans une lettre à Ferdinand de Médici sous les termes suivants. Il dit « Mon fils est un aigle dont les ailes ont poussé, donc il faut qu'il quitte le nid et qu'il prenne son envol, donc il cherche à le présenter dans différentes cours ». À la cour de Maria Barbara de Bragance, on trouve à la fois des clavecins et aussi des pianos, qui sont appelés à l'époque pianoforte. Donc c'est le grand moment au XVIIIe siècle où ces deux instruments coexistent et cohabitent. Et en fait, la grande différence principalement, c'est que le clavecin que vous avez entendu aujourd'hui a des sons produits par des cordes pincées. Donc ici, j'ai enlevé de la mécanique à l'intérieur de l'instrument un sotro, afin que vous puissiez voir. Donc, le sotro, c'est le nom qu'on donne à cette tige en bois. Et dessus, on a une petite languette qui est accrochée, qui était à l'origine en plume, et il s'agit du bec qui vient pincer les cordes. Et la feutrine, la laine rouge que vous voyez ici, va permettre d'arrêter le son, donc d'étouffer les cordes. Voilà, donc Scarlatti, ses sonates sont composées pour le clavecin, c'est une des plus grandes productions pour le clavecin à l'époque, puisqu'il y a plus de 555 sonates. Il faut ici entendre sonate pas au sens qu'on peut lui donner maintenant, mais sonate au sens de suonate, donc pour faire sonner. Sur le frontispice de son édition des Esercizi, qui sont ses sonates donc pour le clavier, donc qu'il a publié d'abord à Londres en 1738, et bien sur le frontispice, on voit un clavecin. Et souvent, quelquefois, à l'intérieur des couvercles de clavecin, il y a une inscription. Et cette inscription, sur le clavecin de cette édition de 1738, c'est « Curarum levamen », donc pour guérir les maux. Et la musique peut donc être, pour Scarlatti, un remède à certains maux. On peut se demander de quels maux il parle. Et en fait, on sait que l'ambiance n'était pas toujours très joyeuse à la cour où il était engagé. En effet, le père de la princesse Maria Barbara de Bragance, pour qui il travaillait, était neurasthénique. Et la princesse elle-même, une de ses très grandes amies, parce qu'il y avait vraiment une relation de dévouement très sincère entre les deux, ce n'était pas seulement son élève et la princesse qu'il servait, eh bien, on sait aussi qu'elle était atteinte d'asthme et de crises chroniques. Donc peut-être que cette édition était aussi pour la divertir dans une ambiance où, à la cour, on ne s'amusait pas forcément toujours et que la musique et le clavecin pouvaient être ces moments de joie, de beauté et ces moments brillants. Et donc, je terminerai sur les mots que Scarlatti lui-même propose à la fin de ses compositions, « Vivi felice », donc « Vivi felice » pour dire « Vivez heureux », donc « Soyez heureux avec la musique ».